Vous êtes prêts? Ouais, let's go, let's go, let's go. Vas-y. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne année! Tous VIP, je sais pas, putain. What the fuck? J'ai aucune idée. Mais c'est grave j'en nul, putain. J'en ai aucune idée de qui c'est. Faut mettre à entrer quelque chose, non? Non! Non, non, non! On reconnaît pas. Ah! Oh, putain, comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Oh, je l'ai. Attendez, il y a du temps, il y a un truc ou pas? Tu l'as, oui, y a du temps, tu l'as en haut. Petit doute sur le. Oui, le temps, il est là-haut. T'as le temps là-haut. Je suis. Oh merde, putain, il y a le temps. Ah ouais, d'accord. Oh là, mais je suis grave nul. Oh, oh la vache. Oh putain, la ronce. Non, mais je sais pas. Et je sais même pas non plus, hein. Mais la game 1943. Bah, si Antoine ne sait pas, c'est mort. On est mort. Mais non, arrête, c'est Étoile qui sait tout normalement. Bah ouais, mais là, c'est FF. What the fuck, bon. C'est pas vrai en plus. Nul à chier, les. Je crois pas du tout ça. Ah, yes. Bon, ça va. Enfin. Ah. 3 pots pour ça? C'est gentil quand même. Je n'ai aucune idée de qui c'est. C'est lui. Bon, ça va. Si c'est lui, bah c'est lui, voyons. Plisse les yeux. Qui c'est ça? Barack Obama. Ouais, ça, je pense. Je vais pas valider. Pas un nom. Ouais, faut pas valider, on est d'accord. Ouais, faut pas valider. C'était quoi le 27? Ah, ça, je sais. Je sais pas. C'est quoi? Ça peut être ça. C'est un canard. C'est un clébard, c'est un clébard, c'est un clébard, c'est un clébard. Ah oui, c'est un clébard. Un c'est un clébard. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah non, c'est peut-être pas ça, Romain, c'est un chien, c'est un chien. Comment ça? Bah, je l'ai. Comment ça? C'est ça, non? Oh, il les écrit toutes. Voilà, c'est parti. Ah, il les écrit toutes. Qui c'est qui tape comme ça? C'est moi. C'est Étoile, c'est Étoile. Ouais. Oh, on est bien là, on est bien. Ah non, je non, c'était. Je sais plus ce que c'est une décimale, je suis perdu. Oh, c'est ça. Est-ce qu'on est obligé d'écrire le feat ou pas? Ou genre, on s'en fout? Moi, j'ai juste écrit le nom de la chanson, sinon je peux écrire le feat si tu veux. Catastrophique. Il y a un classement à la fin? Merde, comment ça s'appelle? C'est le problème. C'était ça les artistes, hein, je crois. Je sais plus la. Oh plus putain, la ça je suis trop nul. Je vais juste mettre le titre sinon. Bon, vas-y, je garde. Qu'est-ce que c'est ça? Comment il s'appelle? Oh, je sais plus. J'y arrive pas. Oh, c'est horrible. Ah, bon, ah oui, ça, merci. Hein merci. Wow. Il est là, Flonflon. J'ai pas le nom de l'album. Je en fait, c'est avec le dernier. Je confonds avec le dernier. Oh, non, 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 non. Non, t'as pas le droit, Flonflon. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Flonflon, c'est ta parole. Oh, oui, mais merde. Non, je connais. Oh, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce bouffon? Ah non, je confonds avec un autre. Comment il s'appelle ce bouffon avec sa tête de merde? C'est un bouffon. Avec sa tête de merde. D'ailleurs, je me suis toujours demandé c'est quoi comme animal. Un rat? Je sais plus comment. C'est un lapin? Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Je sais pas comment il s'appelle. C'est pas Doug, c'est l'autre. Oh. 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 J'en sais rien. Quoi? Mais putain, on a pas mis les questions de sport. J'en sais rien. Oh, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Je crois que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. J'ai un doute. Je crois que c'est ça. J'hésite. Non, c'est pas ça, c'est moi, c'est ça. Mais c'est... Attends, mais c'est 24, non? Oui, c'est 24. Pourquoi je suis pas arbitre de basket? Regarde, qui est 30. Oh, tu l'as, Antoine. Attends, ça me dit un truc, je sais pas qui c'est. Non, c'est qui? C'est lui. Non, non c'est qui, c'est qui? Antoine, si tu l'as pas, c'est la honte. C'est non, je sais plus. Je sais plus qui c'est, il me dit un truc. J'ai un jeu de... Non. Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà vu dans la vraie vie, mec. Ah. Dis-moi qui c'était. C'est Spider-Z. Oh non. Oh, c'est Spider-Z. Ah, j'ai eu un vieux de putain. Ça, c'est simple, ça. Pourquoi j'hésite? 14. Attends. Pardon. Ça, c'est sûr, c'est ça. Putain, désolé, Spider-Z. En plus, j'ai trop kiffé, en plus, il est trop sympa. 40. 40, ouais. 40. 40. Oh là là, je pense la honte. Je pense c'est 34 en vrai. Alors, ouais. Ouais, ok. Oh, je l'ai fait. Ah, je l'ai. C'est bon. 6 Simpson des herbes souris tâche. C'est ça, complètement. Oui. I got it. Tatin. Oh non. Oh, attends. Oh, putain, mais c'est trop dur ça. Je crois que c'est ça. Au calme. Ouais, c'est ça. Oh. Non. Je sais plus. Non. Je suis nul en maths. Je sais plus, non. Ah, c'est la réponse en chiffre romain en plus. Réponse en chiffre romain. Non.
foutre au con. La chose la plus facile que j'ai jamais vue de toute ma vie, je crois. On n'a pas lu, on n'a pas lu la consigne. Attends, c'est ce que je sais, ça. C'est ce que je pense. Et oui, étoile, c'est bien la Chine. Bien joué. Attends, mais c'est Street View. Arrêtez, je ne vais pas répondre à cette question. Réponse. Arrêtez de vous la raconter, s'il vous plaît. Non, mais pardon, Margot. Nous, ça nous fait passer pour des gros imbéciles. C'est hyper facile. Bom dia. Oh non, putain, j'ai dit. La question piège de ouf. Bom dia. Obrigado. Je crois que c'est ça. La fin de couler, ou C'est pas ça. Je crois que c'est ça. Je vais rien mettre parce que je vais mettre une dinguerie. Non, mais un truc, peu importe. Non. Je crois que c'est ça, mais j'ai doute. C'était le Kazakhstan, tout à fait. J'ai mis le Kirghizistan. On est aucun nom, c'est nul. Je l'ai vu dans une vidéo. Ah mais non, je suis con. Tout à fait, c'est Lena Situation, absolument. Tout à fait. Qui sera au Louvre, bien sûr. Tout à fait, ça sera au Louvre samedi. Je sais plus comment ça s'appelle. Actrice, FF. Oh salut, Kazakh. C'est mon daron. Mais elle est très fâchée, là, non? Je suis pas sûr. Ah ouais, moi non plus, je suis pas sûr en vrai. Il y a moyen que j'ai mis une série. C'est Edgebest, il me semble, c'est ça, je crois. Edgebest. Le bon parfait. Bonjour, Edgebest. Comme dirait Nikos, hein. Antebeuf. Zindin. Évidemment, bien sûr. Hein? Quel est-ce que tu préfères? Nucle. Hein? Ah. Oh la vache. Je ne sais pas. Oh, c'est chaud. Tu m'en diras tant. Non, je sais pas ce que c'est. Je mets non. Je crois que c'est ça. Ipili. Oh, le fils de pute. Wow. Excusez-moi, j'adore. Non, mais là, il faut pas nous prendre. C'est du volet. Est-ce qu'il faut dire. Bichard, essaie. Est-ce qu'il faut dire la personne qui est sur le logo ou pas? Oh. Allez, mec, dégage. Jouer. Dégage. C'est pour rire, comment? C'est du qui, second c'est degré. C'est Jerry West. C'est second degré, oui, je sais pas. Quoi? Ah bah voilà, simple. Facile. Simple. En vrai, il est trop simple. Je sais pas comment jeu. Il s'appelle. Il est trop simple ce jeu. Le fou. C'est le fou. Pas simple. C'est pas je pense simple. Que j'ai, je pense que chevalier. J'ai pas sur 20. Non. Merde. Oui non c'est ça. Oh. Ah. Qu'est-ce que tu l'aimes étoile en plus ce chanteur. Le chanteur préféré d'étoile. Il y a un piège les amis. Que cas, je vends en concert. Ah oui. Oh non oui le piège. Ah mais je sais pas qui c'est donc. Oh putain mais oui. Non c'est oh putain. Oui. En 2004. Ah ouais, putain, oui. C'est trop gros. Allez, je vais mettre lui. Oh, merde. J'ai mis Pokora. Mais je sais pas, putain, arrêtez de mettre. j'ai mis Pokora aussi. Mais tu sais que je crois que c'est Pokora en 2004 en vrai. Ah moi non. J'ai mis Pokora du coup. J'ai mis ma Pokora. Non non, il a chanté Coclo, mais il a pas chanté. Non, il a chanté Goldman Pokora. Oh, c'est pareil. Ah oui. Non mais il a chanté plein d'autres choses aussi hein. Je suis gros aussi. J'ai fait comme toi. Non non, mais il a pas chanté. Il a pas chanté. Ah mais putain. Waouh, c'est qui ça? Je crois savoir. Facile. Ouais, c'est lui, hein. Ouais, c'est totalement lui. Hein. Son âge aussi ou pas? C'est totalement lui. C'est bon. Ronald. Ah non. Mais pétez toi, étoile. Je pensais que j'étais mute. Ah putain. Ah, c'est bien, c'est pas mal ça. Je sais. La réponse est géniale. Le tour de Kameto, je sais. Eh oui. Voilà. Il y a un piège. Oui, il y a un piège. Pas du tout, t'inquiète. Mais si, il y a un piège. Ah oui, non, merde. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est un piège aussi, non? C'est un piano, bien évidemment. Une guitare? Une batterie, non? Ah, putain, c'est un piano. Comment ça s'appelle? C'est un PC? J'ai mis piano aussi, mais j'ai changé de PC. Arrêtez, c'est vrai. C'est un PC gamer. Un clavier MIDI. Je sais pas comment ça s'appelle. PC gamer. C'est un piano? Un piano à queue. Ah, c'est. Je pense que c'était un clavecin. C'est évidemment ça. Oui, c'est un clavecin, tout à fait, un clavecin. Ah, c'est ce que j'ai écrit. Un clavecin, no joke, ah ouais. Ouais, j'ai écrit. Ouais, c'est un clavecin, ouais. Moi, je pensais que c'était le truc. C'est totalement ça. Format réduit. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu, go. C'est la juve, bien sûr. Alors, qui est-ce? Mais putain, mais qui est j'en sais. C'est Pedro Winter. Ouais, un peu. Et un peu Tellier. Pedro le Goat, hein, si jamais. Bah écoute, c'est Pedro Winter, hein. Ouais, ça. Je reconnais pas. Moi je sais pas qui c'est non plus. J'ai reconnu. Les gars, ah, c'est toi Manu. Si j'ai su répondre à une seule question depuis le début. Oh le Vatican. Oh la classique de quiz. Ouais, ça c'est vrai, c'est une classique. Non, je crois que c'est ça. Hein. La classique, ouais.
A chaque fois que je dis quelque chose, j'ai honte. Rut. Le jeu te rend honteux, quoi. Non, mais, je me trompe tout le temps. Mais tu sais qu'elle est, très très dure, la série. Oh, putain. Tu sais qu'elle est... Je pense que c'est, l'une des plus dures. Mais non, je dirais... Oh, c'est dur, ça. C'est dur. Non, j'en ai aucune idée, je sais même pas. Ouais. La mère patrie. Ouais. C'est dur. Statue de la mère patrie. Ah putain. Oh là là. Par élimination. Merde. Ah. Alors là. Quel con, pardon. C'est Madagascar. C'est Madagascar. Mais il y a beaucoup de questions sur Inception, en fait. Il y en a pas tant que ça, en vrai. Je crois que c'est ma pire, c'est mon pire qui est culture depuis des... Il dit ça, il va finir premier, ta gueule, allez, c'est là. Oui, non, mais là, les questions sont... Oh, attends. Je les trouve vraiment dures. Quoi? Comment on répond à ça? Ah, oui, d'accord, oui. Attends, j'ai pas compris. Je comprends pas, c'est-à-dire? C'est une suite, vous trouvez, c'est quoi le... Ah oui, entre 1, 2, 3, 4, 5, lequel va dans D, en fait, voilà. J'en ai aucune idée. C'est une question 100% logique, ça. Je sais pas, j'ai je mets n'importe quoi, je comprends pas. Je dirais... Ouais. C'est stressant en fait. Je sais pas. Non, j'en sais rien. Ouais, arrêtez vos commentaires de c'est stressant. C'est bon. D'accord. Ouais, bande de chiens. <M'as compris. rire> C'était extrêmement simple. C'est vraiment pas simple. Ça, faut avoir mon âge pour l'avoir celui-là normalement. Ouais, c'est clair. Je l'ai pas. C'est clair. Moi, je l'ai pas. Je l'ai connu sur des forums, ça. On rappelle que j'avais le bac que Bichard venait de net, quoi. Une dinguerie. Je l'ai pas. Encore. Allez, la Chine. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ouais, je vois ça. Ouais. Jamais c'est mon dernier cas culture. Oh non, mais non. T'inquiète pas, moi je suis pas trompé. Hein. En vrai, je suis assez impressionné que vous arrivez à reconnaître les pays. Et c'est quoi ce pays? Ouais, là je. C'est l'Afrique. C'est inventé. Ça sert à rien. Je pense que c'est la Pologne. Tout à fait, toi là. La Pologne. Oui. Take-o-note. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, Antoine. J'ai ton stream. Ah ok, cool. C'est un peu raciste, hein. D'avoir mon stream, non, non. Ça c'est vrai. Oh non, y'a pas l'image. Oh, oh vas-y, ça marche pas. Ah, pas l'image. Ah mais attends, c'était... Attends. Oui, oui, c'est celle que j'avais eue la dernière fois. Ah bah alors dans ce cas-là, faut donner la réponse alors. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la réponse, mais c'est 3. Faut mettre 3, 3, 3, 3. Merci. Merci. Merci Hermi Luna pour les 5 subs, merci beaucoup. Génial, ouais. Merci Hermi Luna pour les 5 subs, merci beaucoup. Si c'est pas 3, je ris, mais... Je ressors. Vraiment. C'est que lui a mis 2 et c'était la bonne réponse. C'est ça. Oh putain, mais non, mais c'est pas possible ça. J'en sais rien, moi. Oh putain. Mon daron, il est CRS, pas dans la marine, putain. Je dirais ça. Merci Empalemui pour, Empalemui pour les 9 mois. Ouais. Xian, les 9 mois également. Flo, les 18 mois. La petite chouchoute, les 17 mois. Ah oui. Oh, mais je l'avais déjà eu et j'ai oublié son nom. Oh, c'est qui? C'est lui, c'est sûr. Capitaine? Il est même sur une de mes miniatures YouTube. Ah merde, j'ai gagné. Je sais qu'il est sur une de mes miniatures. Va voir le replay. Sur un gros malentendu. Va voir ton replay, moi je te le dis. Mais j'ai pas le temps. Je sais pas. Sucer les bites. C'est tout simplement ça. Mais mec, je crois que j'ai jamais utilisé cette expression. Pas, ouais, c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Expression. Pour moi, c'est ça. Je sais pas. Je crois que pour moi, c'est ça. Je crois que c'est le ça. Gobelet mouche. Oh. Oh là là, oh la tête. Oh là oh, oh là. Oh là. C'est quoi ça? Ah, j'ai pas le haut, putain. Le haut, j'ai pas. Comment elle s'appelle? Mais moi, j'ai pas le haut en vrai, je crois. Ah si, c'est l'autre là. C'est pas... qui en bas? Mais vous avez tout le monde en bas là? Oui, j'ai en bas. Ouais. Non, en haut, c'est qui? Pas du tout en bas. En haut, je sais pas qui c'est en vrai. Non, c'est pas elle. J'ai un doute sur le haut. Si j'ai le haut, c'est bon, moi. Non, je pense pas que ce soit. Ouais, ouais, c'est ça, pas en bas. Je suis pas sûr à 100%. Est-ce que bizarre c'est... comme mélange, mais ouais. Oh, ah putain, oui, j'en ai parlé en stream avant-hier. Oh, oh là là, la chute. Allez, toi tu l'as, et toi tu l'as, et toi tu l'as. Je sais plus. Une je reine, sais une plus, reine. Hein. Et toi, tu sais. Et toi, tu sais. Je sais plus, je sais plus. Et tu me chies dessus sur l'album de tout à l'heure. C'est fait, je suis une merde. Oh yes. Il s'agissait de Ryan Gosling et de Matt Damon. Étoile, ce n'est pas une bonne réponse, hélas. J'ai trollé dans cette série. Matt Damon, mais je connais même pas sa tête. Matt Damon.
Vous êtes fort, hein. Ah, hélas, c'est pas bon. Je sia pas. De... Non. Ouais. Ryan Gosling, le mec de Barbie, un autre man. Merci. Beckham est une mauvaise réponse. Les deux. Ah, putain. Ok. Ah, bravo, Flonflon. Ah oui, Flonflon. Liam Neeson, ah, dommage. Ah ouais, bien sûr. Non. Il y a un Barbie aussi, d'ailleurs. Oula. On a même pas un point si on a trouvé. Non. Non, c'est les. Je suis pas un bâtard. Johnny. Ah ouais, alors là, Bichard. Papa Johnny, bien sûr. Ah, c'est le Conseil National de la Résistance Jean Moulin. Ah ouais, putain. Ah ouais. Pour la France. Le traité de. Ah, c'était Claire Chazal, la meuf de tout à l'heure, putain. Oui, c'était Claire Chazal. Ah, je l'avais pas. Oui. Oh là là, non. Hélas, ça a duré 2 ans de plus. Oui. Non, c'est pas vrai en plus. C'est même pas la bonne date en plus. Non, j'ai juste menti, c'est faux. Le traité de. Ah, même, vous partagez le même cerveau. Y'a personne qui sait en fait là. La bataille de Verdun. Aïe 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 aïe. Non. Très dur, ça. Ah, c'est Vex, c'est Verstappen. Bien sûr, bien sûr. Un joueur e-sport. Zéro effort. Mais non, mais c'est qui? Mais vous le savez. Putain. C'est Max. Denis Pix. C'est un pilote de Formule 1 très jeune. Et Vettel. Ouais, non. J'ai mis l'autre pilote de Formule 1 très jeune. Ah, je précise. Moi, j'ai mis Pierre Gasly. J'ai mis chier, voilà. Ouais, Gasly, c'est pas bon non plus. Schumacher. Non. Il a fait Schumacher qui est ah oui, c'est Schumacher Junior. Oui, Charles Leclerc, c'est non. Il y avait un air. Pierre Gasly, non. C'est une cigogne. Tout à fait. Non mais c'est... l'orthographe, on s'en fout. Et je dis ça parce que je l'ai mal écrit. Ah, le héron. Ah, dommage. Pivert, oh non. J'avais dit que c'était cigogne. Alors que c'est un canard. Oh, bro. Un pélican. Ah oui, pélican. Cigogne. Oh, à Margot. Non, c'est faux. Ah, hélas, ce n'est pas un rond. Il possède une infinité les décimales que possède le nombre pi. On ne sait pas, puisque potentiellement ça dépend de la puissance calculatoire. Ça s'écoute pas, c'est faux. Mais bien sûr que si. Je pense que c'est techniquement vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est la vraie réponse. Mon chat me dit que c'est faux. Pas lui compter pour lui. On me dit que c'est faux dans mon chat. Mais en fait, ça dépend. Rien du tout. C'est un peu. Elle passe. Il y a une infinité. Il y en a une infinité. Les gars, les gars, le nombre. Il finira premier. Ça veut dire que si t'as la puissance calculatoire infinie, tu démolles les uns derrière les autres. Mais en fait, c'est infini, mais ça veut dire. Bah voilà. Mais t'es faux, bande de chiens. Moi aussi, je vais mettre des points. Ingénieur. Ok. Ok. Non, mais c'est intéressant. Au fond de moi, c'est vrai. Au fond de moi, j'ai raison à 100%. Dire. Bah non, c'est faux. C'est démonté, c'est très précis. Ah, Margot, tu me régales. Oh non, Berlu. Non mais. Berlu. Objet. Oui. Une infinité. Ah, bien joué. Oui. Ah là, là c'est oui. Bon. Oui. 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 Si Hogan de Wiz Khalifa. Charlie Pousse. Charlie Pousse. Bravo, putain, je l'avais pas. C'est un exercice trop. When I see you again. Tout à fait. Tu vois, je suis dégueu. Bien joué. Ah, franchement, je l'ai eu. Ah non, hélas. Ouais, mais ce n'est pas le titre, hélas, Stone. C'est la bonne réponse, mais. Je l'avais pas. Enfin, c'est pas que je l'avais pas, mais c'est que. C'est un exercice trop dur. Exercice mental trop dur. Ah oui. Ah bah, j'ai essayé d'être propre. Quel flexeur. Ah oui, bah c'est bien. Oh oui. Tagué bien sur iTunes. Ah, Etchiran. C'était une musique de Lover, je me suis dit peut-être. Non, ouais. Oh. Avec un album, avec de la. Ou des... Oh, mais Margot, mais t'as quel âge, Margot? Il y a le parental, Advisory, machin. Ah oui. Ah oui. C'est Astro World de Travis Scott, bien sûr, cet album. Travis Scott. Ah, ce n'est pas le nom de l'album. Mais non, malheureusement. Travis Scott, Astro World, bonne réponse. Et là, je me suis trompé. Et là, je me suis planté là-dessus. Souvent les deux, effectivement. Hélas. Ah non, ce n'est pas avec Sextantation.
Fantasian. C'est une bonne réponse. Eh, t'es chaud. Un chaud moment. Je pense que t'as triché, mais bien joué, mec. Lil Wayne, c'est une mauvaise réponse. Je suis dégoûté. Travis Scott, c'est pas bon. Flonflon, t'as pas le droit. Mais oui, j'avais Utopie en tête. Ah, c'est Arthur. Yes, j'ai les points. Let's go. Putain, c'est Arthur. Ah, mais oui, la vanne d'Arthur, il ressemble à l'animateur, putain. Mais oui, c'est ça, putain. Il y avait un mème qui traînait comme ça. Martin Matin, c'est pas bon. Boubou. Mais non. Vous aviez Arthur dans le chat. Non, non, désolé, je... My bad, les amis. Non, mais là, il y a aucun... Non, je me moque pas, je dis rien. Jamais vu, c'est non. Arthur, c'est oui. Pierrick, c'est non. Pierrick. C'est vrai qu'il a une tête à s'appeler Pierrick, hein, ceci dit. Hein, c'est... J'ai inventé, je me suis dit pourquoi pas. C'est 24 secondes que combien de temps dispose une équipe de basket pour tirer un panier? Ça, c'est 24 secondes, c'est très long chez Margot. Mais non, mais je pensais que c'était genre une mi-temps, quoi, tu vois. Le match, c'est un... Je pense que c'est pas 40. Oh là là, bien joué. Bravo. Oui, putain, il est trop chaud. Non. Dommage. Oh oui. Ah oui. C'est rapide. Ah, hélas, j'ai mis au pif. En vrai, une seconde près, ça compte. Ah bah, on a mis... Oh, vous êtes chaud. Ouais, non, mais Bichard, what the fuck. Stoppé. J'étais pas loin. What the fuck, Bichard. Ouais, ouais, je pensais que ça allait très vite. 30 secs. 30 secs, c'est pas bon. 15 secs, c'est pas bon. Spider-Z. Putain. Putain, je l'ai pas reconnu. Je sais pas, c'est qui. Je suis désolé. C'est un rappeur, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Un joueur de NBA. Spider-Z, bonne réponse. Oh là là, les John Nick, c'est pas bon. Spider-Z. Oh putain, bien joué. Il a fait la Zizi Kaka Mixtape. Non, mais il a pas fait que ça. Non, mais vous savez, Antoine, il est sur la Zizi Kaka Mixtape et oui, il ne connaît pas. Mais si, en plus, je l'avais trop kiffé quand on l'avait rencontré et tout. Mais je l'ai oublié. Je l'ai pas rencontré beaucoup. Ça fait longtemps, c'est bon. Au moins, je l'ai pas insulté dans ma réponse, donc tout va bien. Désolé, Spider-Z. Ah oui, moment. Alors. Techniquement, Zed, c'est un DJ. Zed, c'est un... Cette personne est une autre personne. Il a reconnu, en vrai. Bon, il a reconnu. Il a reconnu. C'est une question à 3 points. Oui, bah oui, exact. Ouais. Moi, si c'est moi, je donne pas les points. Mais c'est quoi ce bordel? Ça se discute, hein. Moi, pareil, il manque le spider. Zed, il y aurait un délire. Mais là, il y a 2D, là. Moi, je n'accepte pas, perso. En fait, Zed étant déjà un autre artiste, ça passe pas pour moi, tu vois. ZE2D. Mais je me suis gouré avec ED, ça va. Après, il a reconnu. Après, je dis rien parce qu'il y a ma réponse. Bon, allez, on est sympa parce qu'il est revenu tout à l'heure. Allez, on lui donne. Oh putain, sa mère. Je suis désolé. J'ai envie de te mettre vrai, mais hélas, non. Putain. IDK. C'est évidemment 0, 3 fois, 2 fois 3 plus 3 entre parenthèses, 2 fois 0. Il s'est trompé là. 0 est une bonne réponse. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, voilà. Bravo. Mais oui. Sirop d'érable est une bonne réponse. Sirop d'érable. Sirop d'érable. Hélas. C'est un bon début. Hélas. Sirop d'érable. Sirop d'érable. Du coup, je suis mal parti. Très bon sirop. Oh le bâtard. Bravo, et joué. 32. 33. Merde, j'ai mal quoi, ça. 33. Allez, moi, je vais me faire foutre. C'est 34 plus 7. C'est 32. 32. Non, c'est 32. 101, c'est non. J'ai mis 32, mais j'ai effacé pour remettre le chiffre. Ah, dommage, Berlu. Mais oui, mais je me suis trompé. Allez. Ah, voilà. Ça, c'est un autre... Dommage, Bichard. Ouais. Oui, alors j'ai fait mon calcul en direct. Mais, et en plus, tu t'es excusé en plus de ça. Tu t'es excusé. Désolé, incroyable. Ah, mais je suis quoi en plus à 3x? Ah, dommage, je pense. Oui. 33, c'est non. C'est le Kazakhstan. C'est le Kazakhstan. C'est trop. Bienvenue à toi. 0, Mongolie, c'est non. Antoine, si tu l'as pas, je te mets une patate. Eh bah, mec, tu vas pas avoir besoin de me mettre une patate puisque voici. Il y a bien écrit en plus. Couleur du drapeau, le goat? Bleu, non? Bleu, jaune? Oh, c'est le goat. Kyrgyz! C'est bleu, jaune. Australie, c'est non. Oh, Flan!
ça. Oh là là. Il manque le H quand même, mais bon. Ouais, je suis désolé, pardon. La langue officielle du Brésil. Allez, Brésil. Portugais, espagnol. C'est le portugais. Bien sûr. T'étais avec des gens de quelle nationalité la semaine dernière? Ah, c'est pas mal. Non, mais je l'ai trouvé, moi. Ah, t'as trouvé? Ok, je pense. T'as confondu les femmes, je pense. Non, c'est moi, c'est moi. Oh, ouais, t'as confondu les femmes. Allez, super, super étoile, allez. Ça part en cancel. Moi, j'ai cancel Rayou. Hop là, le portugais. Je suis fatigué. Portugais, portugais, bom dia, 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 obrigado. Il va les reconnaître, bizarre. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, une réponse un peu spéciale. Bah, en Amérique, ils parlent l'américain, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Y'a rien. Je prends 50 subs. Ah là là, hésite pas, étoile sur ma chaîne. Portugais, le brésilien, c'est trop simple. Le portugouais. Portugouais. Je sais pas. C'est Emilia Clarke, cette actrice, tout à fait. La meuf de Game of Thrones est une bonne réponse, mais hélas, il fallait le nom. Elle joue qui dans Game of Thrones? Daenerys. Ah ouais? Mais oui, c'est Daenerys. Non! Non! Stratouké! Stratouké! Non! Stratouké, non! Un peu de rêve. Ah non! Khaleesi! Khaleesi! Korentuze! Non, mais t'as 40 ans, Berlu! Oh la ref! En plus, t'as vraiment 40 ans, Berlu, hein? J'ai pu le faire décrire, c'était il y a 20 ans. Putain. Off là, c'est faux Khaleesi par contre. Car la Bruni, non mais sérieux les gens. Non mais c'est incroyable. Y'a Clark, oui. Étoile, t'as quelque chose à te faire pardonner? J'ai voulu te faire 10 subs, 10 subs par pur plaisir. Étoile, je supprime mon trait Twitter. Vas-y, c'est un moins ça. En plus. Il s'agit de Zinedine Zidane, le joueur de foot. Bravo. Zinedine Zidane. Zizou, Zidane, tout à fait, c'est lui. Nucléaire, c'est noyau. Oh putain, t'es trop chaud, étoile. Ah, bravo. Putain, bravo. Explosion. Hélas, non. Avec beaucoup de puissance. Avec beaucoup de... Là, c'est beau, là. Oui. Quoi, Florence, quoi? Ah, je croyais que t'avais dit un truc, pardon. Moins que micro. Non, c'est non. Hélas. Retirer, c'est non. Parce que c'est très petit, c'est non. Ouais. Ah ouais, c'est non. Pas des subs chez Margot et pas chez moi alors que tu nous as confondu toutes les deux. Oh ouais. Non, vas-y, oh là là. Il me semble que tu m'as confondu avec Margot aussi une fois, je pense. Nucléaire, le très beau salon de coiffure. Non, mais je demande, c'était juste pour être sûr, quoi. C'est non. Okay. En fusion, c'est non. C'est tout à fait le cas. Il s'agit de la NBA. Okay, non, y'a aucun souci. Alors, du coup, la NBA. C'est qui dessus du coup sur. Il avait dit tout à l'heure, étoile, qui c'était. C'est Jerry West dessus. Ça veut dire quoi NBA? National Basketball Association. Voilà. Okay. Et c'est qui Jerry West? Un joueur de basket. C'est un joueur de basket très fort, en vrai. Mais à l'époque. Enfin, je sais pas où il jouait. Ouais, ouais, il est vieux de zinzin. Attends, il est de quelle année? C'est le pion. Tout à fait, aux échecs, quelle pièce ne peut se déplacer qu'une ou deux cases à la fois? C'est le pion. Pas mal, je me démarre. Bonne réponse. Il est... Pion, le truc le petit, là devant, tout à fait. Drôle, ah oui, il est né en 1938. Pion, tout à fait. Ah oui, oui, ok. Pion, oui. Et mec, un pion. La reille. La reille. La reille. Le cavalier, c'est non. C'est non. Jamais joué. Non, le roi, il peut jamais se déplacer de deux cases à la fois, les gens. Ouais. Non, désolé. Ouais. C'est toujours une case. Si. Non. Avec la tour, non? Mais c'est, alors ça c'est le rock et c'est plus de 15 en plus. Et en plus le grand rock c'est 3 en plus de ça. Ah oui, avec le rock. Oui, mais dans ce cas-là, avec le grand rock, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir 3 cases aussi. Avec le grand rock, ouais. Ouais. Et la question c'est que... Petit rock, d'accord, mais grand rock c'est 3. Mais le rock c'est pas 2 cases, de toute façon c'est plus. Non, c'est 1, 2 et 3. Et là c'est qu'une ou 2 cases à la fois. Ouais, c'est bon ça. Ah, le grand rock c'est 2 aussi? Eh bah my bad. Ah, tu vois. Putain, bien joué. Faut que je remette le point à qui du coup là? À personne? C'est beau, hein. Ah non, à personne, c'était quelqu'un du chat, my bad. Et bah ça aurait été bon, le roi aussi, voilà tout. Ah. Comment? Mais non! Tu m'as baisé, étoile! Tu m'as baisé!
Mais oui, c'est quand il a fait sa reprise, son espèce de reprise techno là. Mais oui, mais pareil, pareil. Mais oui. Je crois que c'est Alain Souchon par contre, ça y est. Oh ma vie est Alain Souchon. Alain Souchon. En fait, il a fait une reprise techno en 2004. Il a repris. C'est une super musique de base d'ailleurs. Les lacs du Connemara. Oh putain, mais je suis trop deg du coup. J'ai fait la même. Désolé, désolé, désolé. Tout le monde a mis Pokora du coup, putain. Non, j'avais le temps de remettre Sardou. Oh non, je l'avais Michel Sardou, le meilleur d'entre nous, que je dis car j'aime pas ce sera Shinsan. Bah oui, c'est vrai, la dernière fois que quelqu'un avait dit ça, ça s'est mal passé. Non, 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 non. Non, 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 certainement pas. Sardou, je suis dégoûté, je l'avais mis en plus. C'est vrai, je connais sa tête. C'est Anne Hidalgo, tout à fait. Anne Hidalgo. Hidalgo, tout à fait. Emilia Clarke. Je l'avais après, du coup, Emilia Clarke. Du coup, je l'ai mis. Oh non, Stratouquet. Je pense que tu as. Je pense que Mia Khalifa a un appartement dans ta tête, mec. C'est. C'est qui cette. C'est qui Mia Khalifa? C'est une actrice de cul, tout simplement. Voilà. Anne Hidalgo est une bonne réponse. Ah, bien sûr. Et oui, tout à fait. Toujours engagé, Antoine. Toujours engagé. Toujours engagé, bien sûr. Eh oui, moi, on se marre, tu sais. Anne Hidalgo, l'émission attache sa cache Paris, bien sûr. Tout à fait. Anne Hidalgo, tout à fait. C'est Ronaldinho. Bien sûr, l'école l'a donné à Ronaldinho. Ok, bon, allez, vas-y, je te le mets. Je te le mets. Merde, pardon, il y avait Mbappé. Pardon, excuse-moi, c'était pas bon. C'était pas bon dans tous les cas, pardon. Oh, le Mbappé de trop. Mbappé. Ronaldinho. Qui a mis Mbappé? Ouais, j'avoue, le Mbappé là, il est pas mal là. Ronaldinho. Ronaldinho. Sans ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Mbappé. Ronaldinho. Avec quel pays la France partage-t-elle la plus grande frontière? C'est le Brésil. Oh, oui. Ah, bah, c'était sûr. Oh. Et oui, avec la Guyane. Tout à fait. Ah, là, ouais, d'accord. Le Brésil. Tu le... Oui, le Brésil. Avec le pays. Comment ça, le Brésil. Tout à fait, oui, tout à fait. Petite précision. C'est bien joué, absolument, oui. Oui. C'est un clavecin. Ah oui. Une clavecin. Un clavecin. Ah oui. Clavecin. Hop là. Clave. Et c'est de la très belle musique. Piano à queue, non. Clavecin, oui. Piano à queuté, non. Pian, non. Pian. Un pian. Trois points. Piano, c'est non. Clavecin, c'est oui. Clavecin, c'est oui. Hop là. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Le clavecin. C'est Arsenal. Les Gunners, ça. Arsenal, bonne réponse. Sport, là. Ouais, Arsenal, tout à fait. Pardon, my bad. My bad. Désolé pour la Juve. Pardon. Et pourquoi tu l'as mis, du coup? Mais parce que je connais rien, j'ai mis au pif. Je me suis dit, je vais tomber sur peut-être un truc bon à un moment, tu sais, je sais pas, j'ai mis au pif. De Londres. Je sais pas. Arsenal, c'est bon. Très bonne réponse. Arsenal, bravo. Arsenal, oui, tout à fait. Arsenal, c'est une bonne réponse. Oui, Arsenal, tout à fait. Oui, la garde. Oh là là, Florence. Florence, là. Florence en mode. Oh là là, putain. La garde. C'était presque ça, en fait. Brave. C'est qui, brave? C'est qui, brave? Connais pas. Connais bien, brave. Un chanteur français. John Wilson. Originaire du Havre. Ah ouais. Je connais pas. Pedro Winter, hélas, non. On embrasse, bien sûr. Et on adore Pedro Winter, bien sûr. Moi, avec des cheveux, c'est vrai, Manu. Pour moi, elle est pas mal, hein, en vrai. C'est... Bah, Berlu aurait pu dire la même. Enfin, sauf qu'avec des cheveux longs, pour le coup, je veux dire. Ah, il a un petit air de gringe, c'est vrai. Quoi ? Un petit peu. Un petit peu, ouais. C'est vrai. Pedro Winter, hélas. Hein. Mister JD, ouais, de fou ! Ah, oui, c'est tellement vrai, Mister JD, de fou. Ouais. C'est la Suisse, les gardes de nationalité du Vatican, tout à fait. Et c'est les gardes suisses. J'ai dégoûté. Ah oui. Ah, ils ne sont pas italiens, hélas. Non. Tout le monde a eu ça. Swiss Bomb Dia, bien sûr. Ah oui, c'était tout à fait. C'est drôle. Non. C'est drôle. Sur un moment, tu es trop chaud. Jérusalem. Jérusalem, bro. Non mais Bichard. Ah, Bichard, t'es une légende, mec. Mais Bichard, tu te fous notre gueule, Bichard. Ah, Bichard, tu me régales. Mais Bichard, putain. Bichard, c'est pas possible. Ah, c'est trop... C'est pas dans la grande idée. Je n'ai aucune explication à donner sur cette réponse. Ah, régalé, Bichard. Non. Bah, ça me régale, en tout cas, j'adore. C'est très très bien, en tout cas, bravo.
Suisse. Oh là 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 là. Volgograd. Est-ce que ça existe encore, Volgograd? Allez. Là, on peut trouver la septième mère patrie. Ah, mon cul, hélas, c'est non. Berne, c'est non. Bruxelles non plus. Russie n'est pas une ville, hélas. Mais oui, mais c'est des villes. C'est, hélas. Dommage, Berlu. Mais en plus. Dommage. Oui, hein, moi ouais, j'ai tenté le coup, j'ai tenté le coup. J'ai tenté la même aussi. Ah, hélas, non. Saint-Étienne, il a tenté le moment, non, hélas. Marseille, c'est non. Moscou non plus, hélas. Ouais. C'est Dumbo. Oh, j'ai failli faire la même erreur qu'Étoile. Oh, c'est Dumbo, cette image. Sophie la girafe, c'est non. Dumbo, c'est oui. Bien joué, Jagda. Hop là. Merci. Oh, oui, bien sûr. Tout à fait. Le roi Louis. Le roi Louis. C'est le livre de la jungle, tu voulais dire. C'est le livre de la jungle. C'est le livre de la jungle. Bambi, c'est non. Livre de la jungle, non. Dumbo, oui. Dumbo, oui. C'est la 3, la bonne réponse. C'était ça, j'ai pas con, ouais. Oh, non, c'était 1. Non, c'est la 1, pardon. C'est la 1, la bonne réponse, pardon. C'est la 1, pardon. C'est la 1. Ah non. J'étais là, c'était sûr. Ah merde, je suis trop con. Ah, j'étais sûr. Alors, quelqu'un peut expliquer ce que j'ai pas compris. Bah, en fait, la barre, la longue barre tourne, en fait. Elle tourne de. Je sais pas, un tout petit peu à chaque fois. En fait, elle est sur la longue, en fait. Oui, en fait, je l'ai compris à la fin et j'ai mis 2 comme un bouffon. Elle forme une ligne après. Ah oui, d'accord. Bouffon. Okay, d'accord. Et ouais, ouais. Oh, Bichard. Bichard. Oui, je regarde les émissions de 100% logique, merci beaucoup. Ah oui, il s'agit de Napster. Non, il faut être trop vieux. Napster qui existe encore, mais qui existe encore. Ça existe encore. Blue Cat. Non, hélas. Super simple, en fait, je connais ce logo et je vais vous le dire tout de suite car je sais. Ah, dommage, Margot. Dommage, dommage, dommage. Voilà, tout à fait. Absolument. C'est quoi ce logo, Napster? Napster, c'était un truc de téléchargement de musique. Un truc de téléchargement de musique à l'époque. Ah, c'est l'origine de Kaza. Oh là là, oh là là, Kaza, mais oh là, voilà, oh là, allez. Incroyable. C'était, voilà, c'était avant sous le site, quoi. Mumble, non, tu m'expliques, non. Napster, bravo, bravo. C'est juste la Pologne, tout à fait. C'est la Pologne, ok. Je l'avais pas. Bravo. Je sais pas, Nick, Fred, dommage. Les pays, c'est trop dur. La Thaïlande, c'est mort. Licht. Non. Je voulais mettre le Liechtenstein, mais ça, j'ai un peu loupé. Lux, c'est non. Pologne, c'est oui, Berlu. Pologne, Bomdia, bien sûr. Tout à fait. Pologne, moment. Bah oui. Moment le compte, hein. Ah, Florence, what the fuck. Bah, désolé. Florence, il y a aucun problème. Tu es la meilleure boum. Allemagne, c'est bizarre. Je vous dis ce soir, Rayou, c'est une dinguerie. Une personne voyageant dans l'espace à bord d'une fusée chinoise, astronaute chinois, oui, oui, bon, voilà, c'est bon, pour moi, c'est bon. C'est techniquement astronaute, c'est bon, voilà, c'est bon. Un astronaute pratiquant l'art martial lors de ses déplacements. Est-ce que c'est pas super raciste, Margot, finalement? C'est raciste. Alors... Est-ce que c'est pas méga raciste, Margot, en fait? J'aimerais m'expliquer. Oui, vas-y, on t'écoute. On t'écoute, Margot. Il vient de rentrer dans le gouvernement, bien sûr. Oh, on t'écoute, Margot, on t'écoute, on t'écoute. Je ne savais pas. Je ne savais pas de quoi je parlais. J'ai failli le mettre en plus. Est-ce que depuis que tu as écrit cette réponse, tu as grandi et tu as évolué? C'est vraiment la toi du passé qui était, qui était différente, on va dire. Elle a changé. Tout a changé. Voilà. Oh non. Eh bien, c'est faux dans tous les cas. C'est bon. Une personne qui fait. C'est vrai, ceci dit. C'est techniquement, c'est vrai. Quelqu'un qui aime le taekwondo, non, hein. Enfin, pas spécialement, hein. Pas spécialement. Un japonais dans le. Non, hélas, non. Ah ouais. Dans l'espace, mais. Hop, un astronaute mais en Inde, ah dommage. Dommage, 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 dommage. Le bruit avec le taïk. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à un moment? Le bruit avec le taekwondo. Ah ouais, ça se trouve sur Tarkov. Astronaute venant du Japon est une mauvaise réponse. Ouais, ah ouais, j'étais raciste en fait exprès. Le nom chinois pour un astronaute, tout à fait. Ouais. Ah, c'est 3 tours, bon, allez, celle-là, bon, voilà, allez, voilà. Bravo à tous. Ouais, bien joué, hein. Un point, quand même. Bravo, un point. C'est 3 la réponse, tout à fait, moment. Cancel. Ah. Bon, allez, vas-y. Des astronautes indiens, c'est un amiral dans la hiérarchie marine nationale française. Quel est le haut le plus rang, le rang le plus haut? Ah, l'amiral, putain, j'ai mis. Amiral est une bonne réponse. Pardon, Margot. Est-ce que depuis cette réponse, tu as évolué aussi? Est-ce que tu regrettes? Mais attends, mais Gomard, mais explique ça parce que là, pardon. Bah, celui qui suisse pour réussir, j'ai l'impression, c'est ce qu'elle veut dire, quoi. C'est ce qu'elle veut dire. Ça sent un petit peu du côté de Margot, je crois. Ouais, c'est étonnant.
Très bien, Margot, c'est une mauvaise réponse. Hélas, colonel est une mauvaise réponse. Chef commandant est une mauvaise réponse. M, c'est une mauvaise réponse. Amiral est une mauvaise réponse. Bravo. Okay, merci à tous. Caporal est une mauvaise réponse. Moment, bravo. Grand officier. Amiral est bonne réponse. Capitaine, c'est non. C'est Fernandinho. Ça rentrera jamais, hein. Tu l'as personne ou pas? Bah non, je l'avais plus. Oui, je l'avais appelé Footballman le footballeur la première fois que j'avais croisé, c'est ça. Putain, Footballman le footballeur. Ah, c'est ça. Oh non. Non. Non, Stratouquet, non. Non, Stratouquet, non. Je peux pas. Non. Donc qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le mec de ma Mimia, désolé, c'est pas. Un très bon joueur de Manchester City pour le coup, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Bichard, c'est non. Moment, c'est non. Thierry Henry, sauf que non, exactement, non. Gober des mouches signifie à l'origine perdre son temps ou qualifier une personne qui n'a rien à faire aujourd'hui, définit une personne qui croit tout ce qu'on lui dit ou qu'on lui laisse faire, on laisse entendre quoi. Fallait mettre quoi avoir mot pour mot. Bah là, c'est faux hein, pour étoile, du coup. Attends, c'est quoi cette histoire? Bah, j'ai dit paraisser quoi. Bah, t'as pas mis la phrase. Bah, aujourd'hui, c'est définir une personne qui croit tout ce qu'on lui dit. Ah bon, c'est ça, gober des mouches? Oui, en vrai. Mais pour moi, c'était pas, pour moi, c'était bon ce qui a mis étoile aussi. Gober quelque chose, c'est pas gober les mouches, non? Pour moi, c'est aussi. Pour moi, on va dire que. Non, mais attendez, on va dire que les deux définitions sont bonnes. Du coup, pour moi, étoile, c'est bon. Paresser, c'est quelqu'un qui qualifie une personne qui n'a rien à faire. Pour moi, c'est bon ça. Non, c'est pour moi c'est bon. Ah mais gober les mouches, c'est naïf en fait. Oui, c'est ça. Ouais, pour moi c'est glander, ouais. Ça passe sur l'origine. Il est crédule. Ah ouais, c'est être crédule, vraiment, c'est ça? Oui, bien sûr. Crédule. Quoi? Il a la bonne de l'origine. Pour moi les deux, allez, on va accepter, on va pas se battre sur une question à un point. On va accepter les deux réponses. L'origine, oui. On va arrêter, voilà. S'ennuyer. S'ennuyer, c'est bon. S'ennuyer, paresser. Et je dis pas parce que moi je l'ai mis aussi, mais s'ennuyer, c'est bon. Bah oui, signifier l'origine, perdre son temps. On qualifie une personne qui n'a rien à faire. C'est ça, preuve. Si, c'est ça. Bon, je suis sympa. Bah, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Non, bah, c'est pas bon. Bah, non. J'avais pas. Parler dans le vent, c'est non. Ne rien faire, Bayer au cornet. Oui, pour moi, c'est bon pour la première définition. Mais deuxième expression, Berlu, j'adore. Bon, Bayer, c'est pas bon du coup pour moi. Trop parler, grande gueule, c'est non. Dormir, non. Grande gueule. La bouche ouverte, à rien faire. En vrai, ouais. Mais pas spécialement. C'est ça, en vrai. Si j'ai donné le point à un moment, je donne le point à Florence là-dessus. Allez. Merci. S'ennuie. Ouais. Allez, bon, allez, bah, nique sa mère. On peut se battre pour n'importe quel point. C'est Claire Chazal et Mélenchon. Mais c'est pas sûr. Mais comment c'est Claire Chazal, hein. Très dur. Hein. Putain, c'est magnifique, Gomard. Dalida en blonde et Mélenchon. Chazal, elle est un peu écrasée. Dalida. Pécresse, Mélenchon, c'est pas bon. Et blonde. Et non. Non, elle était pas blonde, elle était châtain. Ah bon? Chazal, Mélenchon était une bonne réponse. Moi, j'ai mis Pécresse. J'avais pas connu Claire Chazal. C'est comme mouche qui signifie naïf. Ils font dit dans mon chat. Bérou et Christine. Non, alors le bro, ouais. Claire Chazal, Mélenchon, c'est oui. Claire Coudray, là. Non, hélas, Micha. Chazal, non. Claire Chazal, Jean-Yves Mélenchon. Ah, hein, c'est Bibi. Ah, c'est Bibi. Bibi. Ah, bah oui, j'ai dit à Licorne du tout. Ah, je l'ai pas du tout. Oh, je connais pas du tout. Britney. Elisabeth, c'est une bonne réponse. Liane Folly, c'est non. Ah putain, t'as mis ça aussi, Tone. Putain. Je crois que j'avais confondu avec Au fur et à mesure, je crois. Je savais pas. C'est Bibi. Putain, mais Dalida, petite obsession. Ouais, c'est Bibi. Ah, okay, c'est non. Oh, Bibi. Oh là là, flonflon. Ouais, flonflon. Attendez. Est-ce que j'ai des points à retirer ou à mettre à des gens? Je pense que c'est bon là. Oui, moi, tu as été correct. Tu peux rajouter aussi pour moi. Je pense que c'est bon. On va voir le classement final, messieurs, dames. Le voici, le voilà. Je ne suis pas très intéressé. Oh, je stresse. Il s'agit de. Berlu avec 13 points. Margot avec 14 points. Jack Darius, 18 points. Tone, 18 points ex aequo. Oh là là. Stratouquet, 19 points. Merci beaucoup, Berlu. Bichard, 19 points ex aequo. Moment, 28 points. Flonflon, 35 points. Florence, 36 points. J'ai 38 points. Et évidemment, étoile, 41. Pareil, putain. Bravo. Rien à dire. Bravo, beau jeu de merde. La différence, beau jeu de merde. La différence de points entre Moment et moi, tu vois déjà. Genre... Eh mais Moment, c'est trop chaud, c'est une dingue. Ouais, non, il y a la différence entre moi et vous en tout dessus. Bravo, bravo. Oui, c'est bon. C'est fort, ce que je vois, c'est fort. C'est fort. C'est vrai que j'ai eu plus de points qu'à Fall Guys, quoi.
Ouais, moi aussi. Ouais. Bah pareil, hein, mais un peu tout le monde, je pense. Hein. Tu me dis que t'es une merde. Oh, c'est bon, Manu. Je t'ai offert 5 subs, c'est bon. C'est vrai, j'accepte. Tu peux me réinsulter et me offrir des subs si tu veux. Non, c'est bon, c'est vrai. Non, c'est bon. Vivement le FFS sur le cas culture, effectivement. Oh, le banger. Pas mal, en vrai. C'est génial, ce jeu, en tout cas. J'aime bien. C'est trop bien, ouais. Ouais, c'est un jeu de la K-Corp. Mais y a pas cette question volée, voilà. Mon c'est qui d'air? J'ai une vie à gérer. Une petite d'air? À moi, une petite d'air, je suis chaud. Une d'air, allez, chaud. Une petite d'air, en fait. Allez, Attendez, Gomard, oui. Avec une grande question, est-ce qu'on peut aller faire pipi? Oui, bien sûr. Florence, tu voulais dire quoi? Bien sûr. Petite d'air. Florence, tu voulais dire quoi? Avec autant de questions? On va, je vais en mettre 30, ok. Et du coup, ouais, c'est qui qui a là, ça prend quasiment une demi-heure là en tout là. Ok, bah 30, c'est bon, t'inquiète. Faire un petit pipi. Je reviens. Allez, bon pipi, je recrée une game. Petite pause pour tout le monde. Allez, je recrée une game. Vas-y. on peut quitter la page là du coup. Ouais, je vais vous filer un nouveau lien. Toi, l'as dit que la série était dure, hein, donc. Oui, c'est vrai. Je vais créer un nouveau lien. Ouais, je vais aller faire un petit pips aussi. Eh bah bonne chance. Je vous file le lien. Voici le nouveau lien, messieurs, dames. Il est ici. Ne liquez pas, évidemment. Ne liquez pas le lien. Non. Ne liquez pas le lien. Ça pour avoir un truc un peu sympa. Stratouké, quoi. Obsédé par Mia Khalifa, une dinguerie. C'est grave, mec. C'est trop grave, mec, d'être obsédé à ce point par cette actrice. J'en connais d'autres. Elle est fantastique, hein, je ne dis pas le contraire, bien sûr. Mais je reviens tout de même. T'as Bichard, tu m'as fait rire. Jérusalemien, c'est une dinguerie, bravo mec. Je n'ai pas d'explication. J'aurais aucune explication, je n'aurais jamais aucune. Ah non, mais c'est génial. C'est trop bien. Mec. Et avec les 5000 questions, là, 5700 questions, vous tombez souvent sur les mêmes? Non, pas souvent, mais là par exemple, celle sur Fernandinho, je l'avais déjà eu, mais il y a longtemps. Okay. Et le truc, on n'y joue pas tout le temps du tout non plus. Hein. Je veux dire, c'est assez rare quand on y joue, quoi. Mais voilà quoi. C'est quoi là où il y a le plus de questions? Ah ouais, la culture G forcément. Le lien est déjà mis en place? Ouais, vous pouvez cliquer dessus sans aucun problème. Ok. Eh mais en fait, il y a d'autres jeux en fait dans K-Games. Ouais, je crois que Kameto nous avait fait jouer un truc. Ah non, c'était pas ça. C'était un jeu avec une bombe, je sais plus ce que c'était. Mais il y a le jeu au quiz, j'ai jamais joué. Faudrait que je sais le jeu au quiz de la K-Corp là aussi. Faudrait que je sais ça. Ah, c'était Bomb Party qu'on avait fait avec Kameto. Ah, c'était ça. My bad, les gens, j'avais oublié. C'était un jeu K-Corp ou pas? C'était un jeu cassé, je me souviens plus. Parce qu'il est pas sur leur site là, si c'est le dernier lien. Tout à fait, ma chère Margot. Ouais. Que j'adore. Tu sais que je t'adore, Margot? Oui, je sais, parce que tu m'appelles Margot. Ça veut dire que je t'adore, ça? Non, pas spécialement, non. D'accord, ok. Mais tu t'appelles pas comme ça? Si, si. Alors. Bon. Allez, c'est bon. Marco. Oh non, j'ai créé une guerre. T'inquiète, il suffit juste que tu cliques sur le lien, que tu fais rejoindre, tu mets le pseudo et on est de bord. Ce genre de jeu, tu te rends compte que t'es nul à chier en culture quand même. Ouais. Mais en vrai, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Hein. Ouais. Ouais. C'est là que tu te rends compte que la culture G, c'est... C'est incroyable quand même. Mais il y a plein de choses différentes. Et attends. D'ailleurs, c'est un métier renseigné. Les astronautes indiens ont bien un nom qui est très peu utilisé, mais c'est les vieux manotes. Voilà, vous le saurez peut-être. Okay. Ah, vieux man. Voilà. Je le savais. Je le savais bien sûr. Bah oui. Il manque. Florence, le lien est dans le truc. J'ai pas de join, non, effectivement. Ah, pardon, oui, j'ai pas de join aussi. Pardon, désolé. Et oh, il manque juste Florence et on sera bon. Ouais, je suis là, voilà. Je vais couper du bois moi après, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est là ou pas? Oui, bien... n'hésitez pas à retirer les questions de maths, les questions de géographie, les questions de politique, mais également et les de questions sport de sport. De sport, non, les questions de bois. C'est quoi les questions psychotechniques? On pourrait mettre que celle-là. C'est genre la forme carrée là-bas. Là-bas, ok. La forme avec le trait là. Il faut que l'étoile se démute parce que sinon il sait pas qu'on va commencer. Je sais même pas s'il est là en vrai. D'ailleurs, chose importante, pour devenir infirmier à l'époque, il fallait être bon en test psychotechnique. Voilà. Et toi, quand t'as passé le concours, t'as dû passer ce test-là?
Ah d'accord, mais t'es quand même infirmier quoi. Bah voilà, ouais, je suis quand même... Mais n'empêche, si vous connaissez pas Bichard les gens, c'est quand même un truc de fou. Enfin, désolé, la team. On a beaucoup parlé à la Zilan Bichard, et du coup j'ai appris à te connaître un peu à ce moment-là. Et je tiens à dire que vraiment c'est impressionnant ta vie je trouve. C'est-à-dire qu'il est streamer, infirmier et arbitre. Et de arbitre volley, de volley. Et est-ce que je peux te dire de la quatrième activité ou tu gardes ça secret? Non, je peux dire en vrai. Il est aussi conseiller municipal de sa ville. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est incroyable. C'est vrai. Il est fort. Voilà. C'est tout ça. Et je ne connaissais pas Anne Hidalgo. Voilà. C'est quand même le mec. Voilà. Et... Le mec, quoi. Voilà. C'est une folie ta vie, par contre. Hein. Et ventriloque. Exactement. Voilà. Une démo immédiatement. Allez, on lance. C'est parti. Bonne chance à tous. Attends, mais Manu il est pas là, je crois. Non, Manu il a abandonné. Il a arrêté. Il est parti sur Tarkov. Ok. Arena. Ah, il est parti, maman. Ah, moi j'ai pas dit au revoir à Manu. Ok. Au revoir, Manu. Au revoir. Mais putain, parce que je te rends pour les 45 mois pénirés, les 45 mois fixés, les 26 mois. Bah oui. Merci pour le train de la hype, les gens. Merci beaucoup. Ah, j'ai pas mis de Eddie Motonly. Attendez. Ah oui, les Motonly. Oh, pardon. Ah, merci, Alison. Non. Excusez-moi. Voiture. Oh, je l'ai. Voiture. Merci Valoucestra pour le supporter à Sinazur. Oh merde, vous voyez pas la scène. Excusez-moi. Merci Anto.mp4 pour les 4 mois. Sur mon live, on voit la scène si jamais. Voilà. Excuse-moi. Oh putain, c'est chaud. Et putain, mais j'ai mis. Je suis con. Wow. J'ai mis un mot pour toucher pas. Putain, mais nous casse les couilles avec les dates. Ah ouais, non, mais l'histoire, on aurait dû enlever. Hein. Bon, celle-ci, non, vous l'avez, la team, celle-ci vous normalement, vous devriez l'avoir. Vous l'avez, la team. C'est mon anniversaire. Merci Kalichi pour les 6 mois, merci beaucoup. Vous l'avez. J'espère. Ah! Merci Glockels pour les 23 mois, merci beaucoup. Oh, oh non, mais merde. Oh, non, c'est quoi, mais merde. Oh, tu l'as, Antoine? Oui. Je t'entends. T'es le goat, mec. T'es vraiment le goat. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pays... Attention, ça commence par Bré, ça finit par Zil. Indice. C'est un pays dur. Merci Mosaic pour le Prime, merci beaucoup. Franchement, je trouve que c'est dur. Aucune idée. Ah ouais? Je sais pas. On l'annule. J'ai mis Philippines, mais c'était pas ça. C'était quoi? Haïti. Je sais pas, je vais dire une connerie. Haïti. C'est vrai, je l'ai eu? Non, c'est vrai. Ah, au hasard. Ouais. C'est vraiment le goût. Berlu, t'as mis Haïti? Incroyable. C'est quoi? T'as mis Haïti? Non, c'est toi qui parlais? Non, c'est toi. Je vais mettre ça au cas où. Antoine a gagné cette série, fais chier en vrai. Non, arrête. Les questions sont plus abordables en vrai. Oh non. Je connais pas du tout les figures de style, c'est horrible. Ah, c'est une putain de... Ah, c'est bon, je sais. Je mets au pif. C'est pas ça. Ah, je vois la figure. Ce qu'est la figure de style. C'est ça. Et je sais pas ce que putain, c'est. Putain, on en a parlé il y a pas longtemps en plus. C'est tout oublié. C'est pas ça. I for gore. Mais non, je l'avais. Oh, oh putain, dégoûté. C'est pas une figure. Et bah voilà, Étoile gagne la série, bravo. Quoi? Je crois qui c'est. C'est qui? Swag. C'est Morsai. Swagman. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Mais je suis pas sûr. Je sais pas. 100% c'est lui. T'es une sorte de swag. Oh là là, impossible. Sorti de leur premier tome. Oh là, c'est dur. J'hésite avec les deux derniers. Je dirais que c'est ça. Du plus ancien au plus récent. Oui, il faut les déplacer. Tu cliques dessus, tu les déplaces. Vas-y, je regarde pas de manga, moi. Mais franchement. Moi je pense. Juste... Je dirais ça. Non. Ah, c'est dur. Ça, c'est... J'hésite avec les deux derniers. Attends, mais on clique dessus, ça marche là? Ouais, ça glisse. Ouais, c'est glissé, ouais. Ah oui, ok, 1, 2, 3, 4, j'avais pas vu. Je sais pas, j'ai mis au pif. Ouais, pareil. Une chatte de Weeb là, en PLS. Oh, allez! Allez! Ils auraient pu flouter un peu au moins. Les amis, il est fait d'or et de platine. Il paraît, oui. Il s'agit de Oli, on l'appelle du célèbre duo. Oli, d'ailleurs. C'est ça? C'est ça? Je sais même pas, putain. Oh, mais... Attends, oh, putain, j'ai le nom de l'œuvre? Oh, j'ai un trou. Le nom de l'œuvre, comment ça s'appelle? Oh, comment ça s'appelle? Mais c'est pas ça, c'est... C'est ça. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais plus, c'est pas ça. Je suis dégoûté. FF. Franchement, j'ai pas le nom de l'œuvre. Il tire à l'arc. Putain, attends. Ah, c'est celle-là. Putain. Je sais pas, hein.
Je sais pas du tout non plus. Je... Oh, on tente une déduction. Je pense ah ça. Inconnu, Minecraft, c'est bon. J'ai la ref. Je crois pas que ce soit Minecraft en vrai. Non. J'allais insulter les joueurs. Déjà, il y a la lettre L. Do you have one ah, merde. Alors là, je vois pas trop ce que ça peut être. Ça ressemble pas à un O derrière. Ah, Overwatch, ouais, putain, my bad. Bon. Le 2. Oh. Oh. Oh putain, je non, connais sa tronche et je connais pas son nom. Je pense à elle tous les jours. Ah oui. Comment elle s'appelle? Elle a une place spéciale dans mon cœur. Eh oui, Pécresse. Putain. Oh, 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 j'ai regardé la série sur Netflix. Oh oui, ouais, vous l'avez. Chico. Vous l'avez. Je crois que c'est ça. Absolument pas, on ne l'a pas. C'est un peu dégueulasse, mon animal, on va se mentir quand même. Pécresse. Once again. J'ai écrit un truc, je sais même pas quelle tronche ça. Oh putain, je l'avais. Oh oui. Bah. C'est quoi le premier? Je crois. Et c'est du cinéma. Je crois que c'est ça. Quand ils disent film, c'est long métrage, on est d'accord. Je pense que oui. Je ouais. pense que c'est ça, oui. Sinon, je suis dans la merde. C'est pas Blanche-Neige ou je suis une merde? Si, c'est Blanche-Neige. Enfin, c'est moi, j'ai mis... En tout cas, moi j'ai mis ça. C'est ça, c'est ça ouais, moi j'ai mis Blanche-Neige, ouais. Putain. Bah, c'est là, frère, non? Ouais, je sais pas trop, j'avoue. J'ai tenté. Attends. Hein? Alors, attendez. Oh, oh c'est dur ça. Ah oui, non, là, c'est bon, là. Mais c'est bon, il est 22h42 là. Ouais, c'est bon, ouais, moi je... Allez, j'en sais rien. C'est pas ça, mais... Bon, les maths, c'est dur. Bah, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Bah, ça m'a... Ouais, ça m'a pas l'air si... Non! Vous voulez le nom en latin ou en grec? En grec, s'il te plaît. Ok. Allô? Oui, oui. Oui, oui, en grec. Allô? Tu peux me le dire, du coup? Hades. Déjà, c'est ouais. faux. Je suis à 17h10. Attends. Ah, attends. Il y a une... Il y a un piège, c'est pas possible. Il y a un piège? Bah... Oh, merde. Bah, c'est un point, hein. Oh! Oh putain. Ah, oh, je l'ai. Mamma mia! Mamma mia! C'est soit ça, soit ça. Où est-ce que. Ah, étoile? Est-ce qu'il y a... Ah, étoile? Ouais. Bah, en fait. Dis... Vu que t'as dit mamma mia? Bah, en fait, j'ai écrit le V-word. Ah, ok, oui, c'est bon. Alors. Mais j'ai mis Italie / Vatican, tu vois. Ah, bah, c'est. Techniquement, Italie, ah bah, c'est faux. Hein. C'est mort. Italie, c'est faux. Hein. Ah, bah c'est pas. C'est pas en Italie. Hein. Bah, en fait, ah, ouais, c'est ouais, ah, oui, Vatican, c'est un pays. C'est un pays, mec. Hein. Que j'aime me faire foutre. J'ai demandé où était la Tour Eiffel. J'ai mis France / Allemagne / Espagne. Et bah, c'est FF. En 2019. Bon, ça doit être lui. Bah, la série FF fait chier. À tous les coups, c'est lui. En vrai, c'est. Ça doit être lui en 2019. Oui, ça doit être lui. 2019. Oh, oh. Alors là. Je l'ai. Car je suis fan. Pareil, je suis extrêmement fan. Hein. Tu es fan de l'artiste, je comprends. Ça se passe à New York. Ah. Ah bon? Non, c'est pas du tout. C'était New York. Ouais. Merci Oscar mon oncle pour les 35 mois. Oh putain. Attends, mais c'est qui? Oui, attends. Oh. Footballeur, c'est trop dur. Je crois que c'est lui. Surtout que là, c'est une vieille photo. C'est lui. Ah ouais, je sais que c'est lui. Je l'ai reconnu. Je crois que c'est lui. Vous êtes chaud sur le mar pour les deux. Vous savez vraiment The Dog of God, l'année. Ah, ça. Est-ce que oui. Mais il est plus pixelisé la photo. J'avoue. Attends, c'était lui, non? Je crois que c'était lui. C'était qui, hein. C'était qui? Gary Neville. C'est ce que j'ai mis. Oui. C'était lui. Ah, putain, oui. Je suis le coach. Voilà. Excuse-moi. Oh, on y est
foyer. C'est l'humilité qui te... Non, non, c'est pas... je suis une merde sur plein d'autres trucs, hein, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. C'est pas l'humilité qui l'étouffe, ça, je vous le confirme. Ça, c'est clair. Bande de chiens, je passe ma vie à dire que je suis... Ta gueule. Chiou. Musique de baisse, ça, le chat. Hein. Quoi? Oui. Ah, pardon, putain, c'est quoi ça? Oh, je vois, c'est le truc où ils se... Bah ouais, où ils font. Ouais, c'est... Ah oui, ah oui. Ça a l'air d'être hyper marrant. Je vais aller tester. Je sais pas le nom, par contre. Bah ouais. Non. Mais non, oh, attends. Mais c'est... Ah, c'est Big Flo. C'est Big Flo, je te jure, c'est Big Flo. La vie de ma mère, c'est Kamak. C'est vrai qu'il y a un bail. C'est Kamak, 100%. Oh, oh, il met bien ce 3 points. Mais oui, putain, putain, voilà, voilà, quoi. Ah, tu connais toi, là. Oh, oh, bah, c'est Kamak, c'est Kamak. C'est Kamak. Ah, c'est Oh, il met très très points, ce truc. Comment tu sais combien de points ça fait? La barre du bas. Quand c'est rouge. C'est 3 points, quand c'est jaune, c'est 2 points, quand c'est vert, c'est 1 point. Ok. Je pense que c'est ça. En plus, il y avait un indice face au le sport. Je suis sur celui-là. Oh, putain. Aucune idée. Putain, je l'ai. Je l'ai. Oh là là. Oh non, je sais pas. Ah non. Non, je sais pas. Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. Oh putain. Non. C'est hardcore, hein, c'est dur. Non, je connais pas les ces logos-là. I don't know. Allez, nous finissons là-dessus, bon, messieurs, dames. Let's go. Eh bien, il s'agit... Le parc le plus connu de New York, c'est Central Park, bien sûr. Bien sûr. Central Park. C'est vraiment horrible de pas l'avoir, quoi. Central Park. Oui. Oh, Times Square. Oh, okay. Dommage, bro. Dommage. Ouais. Gemini. Ouais, okay. Times Square, c'est pas bon. Et là, Central Park, c'est bon. Central Park, c'est exact. Oui, bien joué. Il s'agit du temps, parce que c'est un chronomètre, un sablier, retour vers le futur, la DeLorean et les montres molles de Dali. J'avais pas compris la question. J'avais pas compris la question aussi, pareil. J'ai mis un mot pour chaque image. Mais je l'avais, hein, Dali, je l'ai. Dommage. En vrai, j'ai Dali. Oui, oui, bah, bon. Cro-Magnon. Alors, Berlu, pourquoi? Cro-Magnon. Chrono. Cro-Magnon. Le mât, c'est pour tout ce qui est sable, tout ça. Voiture. Ah oui, ah, c'était un rébut, okay. Putain. Ouais, 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 je croyais que c'était un mot pour. Ah ouais. La DeLorean, et on la voit bien, ouais. Le temps. Le temps est une bonne réponse. Temps. Ah bah, temps. J'avais su. Temps. C'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. C'est une bonne réponse. Bravo. Oui, allez, vas-y, on dit que c'est bon. Prise de la Bastille, c'est la teuf, tout à fait. Alors, à l'époque, ça ne l'était pas. À l'époque, ça ne l'était pas. À l'époque, ça ne l'était pas. Ah non, oui, non, non, non. Oui, mais là, à l'époque, on tuait les gens. C'était pas terrible. Ah, c'est non, pas bon. C'est pas bon. Prise de la Bastille, c'est bon. Fête nationale, hélas. Prise de la Bastille, oui. 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 C'est Haïti. Incroyable, c'est trop fort. Il s'agit de Haïti, bien sûr. Le Pakistan, c'est non. Le Bretagne. Ah, je vois ce que tu veux dire. On dirait le Finistère un peu, hein. On dirait le Finistère, j'avoue. C'est vrai qu'il y a un petit truc. Il Féroé, c'est non. Haïti Bomdia, bien sûr. Tout à fait. La Malaisie, c'est non. Allô, hein. Oh là là. T'as full chat. Trop chaud. Bravo, Chaton. Ah oui, c'était toi, Tone, qui avait tenté, d'accord. Trop chaud, Tone. Bravo. Bravo. Ah, on a tenté la même. Avec plaisir. Avec Florence. Philippine, là, c'est pas bon. BMW. BMW. BMW, c'est bon. Exact. Je roule un Rogamos. Exact. Exact. Et oui, oui, oui. Tout le monde là, ok, bravo à tout tous. Le monde, en fait, bravo. Ah, bye. C'est un oxymore, un silence assourdi sans prise place dans cette pièce d'une clarté sombre. Ça, c'était dur. Hein. Putain, les figures de style. Ah ouais, non, mais moi, je connais pas du tout. Je l'avais presque, j'ai mis Owim et je voulais mettre oxymore. Ah, dommage. Descriptif, c'est non. Éponyme, c'est non. Métonymie, c'est non. Oxymore, c'est oui. Litote, c'est non. Anaphore, c'est non. Comparaison, c'est non. Non. C'est Camel Ancien. Oh, c'est Camel Ancien. Camel Ancien. C'est pas Code Killer, hélas. Par contre, c'est toi le truand de la galère. Mais frère, en fait, il a le maillot Street Swag, c'est la marque de la fouine. Bah, dommage, mec. Piège, hein. C'est Jean. C'est beaucoup à Tony Parker et Vin Diesel. C'est vrai qu'il y a un petit truc, effectivement. J'étais vu. Pardon. Bah, t'inquiète. Bonjour. Bienvenue. Camel l'Ancien, tout le monde connaît son nom, mais personne connaît sa tronche. C'est vrai. Faflarage, c'est non. Camel l'Ancien.
Dragon Ball Dragon Ball. Oh sérieux, c'est ça? Center entre Naruto. Je comprends rien. Naruto et Dragon Ball. Je l'avais pas. Je l'ai pas. Ouais, non non, c'est One Piece qui est plus vieux que Hunter x Hunter, je savais pas du tout. Ouais, j'aurais pas cru. Waouh. J'aurais jamais dit. C'est trop dur ça. Ah, moi j'ai mis One Piece en dernier en plus. One Piece c'est plus. Oh ouais, c'est chaud. Ouais. Personne n'a bon là pour l'instant. Personne n'a. Ah, c'est 1997 One Piece. Putain, c'est old. Ah, ouais, c'est assez vieux, ouais. Ah, dommage. Personne l'a eu. Bon, c'est Jules, bien sûr. C'est bien évidemment Jules. Non, tu l'as pas eu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai, sur son temps libre, il fait plus comme Bichard, effectivement. C'est un sportif que je connais bien. Tout à fait. Il a fond sur l'OL, on sait pas. Entre 5 albums produits par an, bien sûr. Évidemment. Jules, tout à fait. Marseille, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. La création d'Adam. Ah bah oui, la création d'Adam, évidemment. Évidemment. Le tir sur mon doigt, il est exceptionnel. Oh, il met très très bien le tir sur mon doigt. Oh, la vie de ma mère, c'est le nom de la VOD. Le nom de la VOD, par pitié. Mousse, retiens. On devrait rename alors. De quoi? Oui, il devrait rename, ouais. Exceptionnel. Non. Zeus. Non mais attends, non mais... Bien, frère. T'es trompé de religion, Rayou. Ah, oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ça va chercher loin. Ouais. Ah, hélas. Hein. Ah non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est bon. La grâce. Dieu créa l'homme. Ah, t'es pas loin, mais c'est pas ça. Ah ouais, à propos de Vatican, mais... hein, tire sur mon doigt, ils vont être heureux. Elle a... Oh, il... oh, bien. Oh. Pour moi c'est bon en vrai. Ah ouais. Pour moi c'est bon ce que t'as mis. Allez vas-y. Il a des grosses branchies. Il tire. Il saute sous le. Il peut vivre hors de l'eau. Non. C'est un chien en fait. Ouais. Mais je crois. Il nage sur terre. Étonnant mais. Il nage sur terre. Oh la dingue. C'est un oxymore. Hein. Ouais. Et là c'est pas bon. Vraiment. Il n'a pas d'arête. Oh bah putain le truc est. Le truc est mou quoi. Il a des aiguilles sur le corps. C'est non. Il lance un truc pour attirer les proies. Allez, je te le mets. T'as compté le titre. Allez, je te le mets, 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 je te le mets. C'est League of Legends. LOL, bien sûr, tout à fait. League of Legends, meilleur jeu ever. League of Legends. League of Legends, vive Nocturne S14. League of Legends. Franchement, je sais pas, j'aurais quand même envie de dire League of Legends. Tout à fait, bonne réponse. League of Legends. League of Legends. LOL est une bonne réponse, bien sûr. Il s'agit d'Angela Merkel. Chancelière allemande. Oui, maintenant que tu le dis, maintenant que tu le dis. Évidemment. Vous savez. Angela Merkel, une dame de la politique à qui j'ai encore oublié le nom. Angela Merkel, Clark. Comment ça, Clark? Emilia Clark. Ah oui, oui, putain, c'est vrai, pardon. Chancelière allemande, hélas. Merkel, oui. Une politicienne, mais je sais pas son nom, désolé, la team, ce n'est pas grave. Angela Merkel, mon crush de jeunesse. Je la retourne comme une crêpe. Tout à fait. Ah oui. Eh oui, tout à fait. La meuf en Allemagne, là, c'est vrai. C'est tout à fait. C'est vrai. Ça passerait presque. C'est elle. J'ai oublié son nom. C'est bon. C'est elle, Angela Merkel, c'est une bonne réponse. Tout à fait. Un dragon de Komodo. Attendez, alors j'ai mis Varan de Komodo. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Je vérifie. Attends, je revue. Oui, hein. C'est un dragon? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, incroyable. C'est la même chose. Bon. Confiance en... Oui, ça marche. En biologie, Antoine. De Commodore. Commodore. Bon, allez, vas-y. Ouais, allez. Ça marche. Bon, allez, vas-y. On est gentil. Alors, ça, par contre, ça peut aller se faire foutre, par exemple. Ça passe. Commodo. L'un des premiers animaux sur Terre. Alors, techniquement, ça ne doit pas être tout à fait faux. Ah bon? Non, mais si. Moi, c'est en capitale. Non, mais c'est la capitale qui me tue. En capitale, ça me tue. Il l'affirme. Oui, vraiment. Le saviez-vous, messieurs, dames? C'est l'un des premiers animaux sur Terre. Alors à l'époque, il s'appelait pas le dragon de Komodo à l'époque. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est le poisson qui est sorti, c'est exactement ça. Je sais. Non, vas-y, c'est bon. Bon, Varan de Komodo, c'est bon. Un mélange de serpent et d'un croco, ce qui est pas si faux, mais c'est pas bon, hélas. Oui. Ouais. Ah, hélas. Ouais. Le lamenta. Bien sûr.
Le dragon de Komodo, oui, tout à fait. Varan de Komodo, oui. Blanche-Neige, c'est une bonne réponse. Premier film Disney à avoir été réalisé par le studio, si vous avez Blanche-Neige. Mickey, hélas, non, bien tenté. L'animal sur Terre, il était là avant moi. Blanche-Neige, j'ai les 7 mains. C'est ça le vrai titre en base de Wayne, sinon, mais bon. Pourquoi Mickey. Non, Mickey, non. Blanche-Neige, elle est 7 nains, oui. Blanche-Neige, elle est 7 nains, oui. Canada. Ah oui, pardon. Dans quel épisode se trouve Super Tree Grove? Ah, c'est ça. Ah, je vois le truc. Ah oui, c'est les immeubles qui ressemblent à des arbres géants. Oh putain. Ah, c'est Singapour. Moi, je pensais que c'était le Liban comme le drapeau. Oh, non, parce qu'en fait, sur le drapeau du Liban, c'est un cèdre. C'est un cèdre. Oui, mais c'est un arbre, du coup. C'est un arbre, c'était juste pour être une merde. États-Unis. En Amérique, abrigado. États-Unis, non, hélas. Attends. Ah, en pourcent. Ah, bah j'ai mis ça aussi. Bah non, il y a écrit en pourcent, c'est pas 0,3%. Quelle était la réduction? Ah non. Bah non, c'est une réduction de 30% pour moi. 30% du coup. Ah merde, 35, quel combat. Ah, c'est 0,3 ou 30%, donc voilà. Oui, ça fonctionne 30%, oui, ça fonctionne. Ah putain. Ouais, allez, on est sympa. Ah, mais ouais, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai copié ce qu'on a dit. Long et flotte dans les mêmes réponses que j'ai. Oh non. Oh la game. Ah, je suis dégoûté. Bah non, c'est pas bon. Full chat. Mais c'est 30%, ok, c'est bon, ok, c'est bon. C'est Hadès, le roi des enfers dans la mythologie grecque, tout à fait. Ah, oui. Ah, je sais pas, en fait, j'ai été trop vite. Hadès. Trollé cette game. C'est quoi, du coup? Hadès. Hadès. Ah, Tone. Ah ouais, le jeu vidéo. Let's go. Hadès. J'ai regardé la série Percy Jackson. Bien joué à toi, Hadès. Oh non, étoile. Moi j'aime bien. Étoile, what the fuck? Piège. Oh le troll. Il y avait pas de piège. Étoile, tu trolls? Il y avait pas de piège. Oh mais j'ai ruiné la game. Là, je peux le dire que cette game est perdue. J'ai le droit. Oh, je suis trop conne. J'ai le droit. Ah mais je pensais qu'il y avait un piège, je pensais que ça rajoutait 2 minutes. La game est vraiment perdue, frère. Étoile, what the fuck? 20h08. Ah non, mais Margot. Non, mais j'ai oublié 10 minutes. Non, je suis complètement con. Non, non, arrête. 19h, c'était là, mauvais. 20h08, c'est non. Mais Tone, oui. 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 Ouais, faut pas aller chercher. Oui. Bien, signalez la question. Signalez la question. Or, signalez la question. Je suis désolé. Mais. Tu comptes vrai pour Vatican. Et puis voilà. Mais est-ce que. Le Vatican, c'est vraiment un pays? Mais oui. Bah, oui. C'est un vrai pays. Ouais. Un vrai pays, genre dans le truc, il y a tout à fait. C'est un pays, Vatican, tout à fait. La Basilica Vaticana en plus, donc oui, en latin, donc c'est mort. Oui, mais alors, vu que la réponse sur le jeu, c'est Italie, je pense que Italie, il faut quand même compter bon. Je vais signaler la question. Et Vatican, c'est même un pays en Europe. Oui, mais compte juste pour ceux qui ont mis Vatican quand même, non? Oui. Bah oui, compte juste pour que... Bon, je mets bon à étoile, du coup. Je savais pas qu'il avait... Oui, non. Bah non. Si, mais il a mis deux pays, hein. Ouais, non, parce que si ça avait été... En fait, il a inclus le Vatican qui est dans... Qui est un autre pays, en fait. Ouais, mais c'est comme s'il aurait dit Monaco en France, tu vois. Ah oui, mais Monaco, c'est pas un pays. C'est pas français, Monaco, en fait. Principauté, Monaco, c'est une principauté. Pour moi, c'est faux. Je suis désolé, étoile. Hein. Pour moi, ça, c'est faux, hein, italien. Désolé. Ouais. Je disais, c'est où New York et vous voulez le Canada, États-Unis, quoi. Oui, c'est vrai. Désolé, je pensais que c'était la ville. Désolé, c'est Vatican. Le Basilique Saint-Pierre, c'est pas... Tout ça parce que lui, il a mis Vatican. En capitale. C'est une ville-état, donc pas un pays. Mais si. Pourquoi c'est lui qui fait l'arbitre? Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il a mis Vatican et dit que c'est pour l'Italie. C'est une ville-état, pas un pays. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qu'une ville... C'est un état, pas un pays. Mais il y a une... C'est le pays... Non, c'est un pays, ouais. Mais si, c'est un pays. Mais qu'est-ce que vous dites n'importe quoi? C'est le Vatican. Vous dites n'importe quoi, les gens qui disent... Sinon, on accepte les deux. Une cité-état, c'est aussi un pays. Singapour, c'est un pays. Ça appartient pas à un autre pays, Singapour. On annule la question, je pense. C'est non, 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 on annule pas la question. Ouais. Tout on donne les points à tout le monde. Paris, ah, hélas. J'ai essayé. Ah, c'est Vatican, 100%. Oui, l'adresse ne mentionne pas l'Italie. L'adresse du Vatican ne mentionne pas. Ah non, Boris Johnson, c'est qui ça? Merde. C'était l'ancien Premier ministre britannique. Boris Johnson. Un riche. Bonne réponse, hein. C'est vrai, hein. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, hein. Franchement, je prends bien. Professeur Lupin, hélas. Prince Charles, ah non. Donald Trump, non, mais pas loin non plus. John, mais j'ai plus son nom, le Premier ministre anglais. Bah, dans tous les cas, tu l'avais pas. Oui, mais c'est Johnson. Le Vatican n'est pas un pays. Mais si, mais vous êtes des ouf. Le Vatican, c'est un pays, les gens du chat. Vraiment, je vous promets que si. Antoine, te laisse pas distraire, faut valider cette. Pardon. Boris Johnson, c'est oui. T'as pas validé la bonne réponse. Je t'ai trouvé un peu dur, Antoine, bon. Il n'y a pas de débat possible, c'est incroyable. Ouais, désolé. Scandale. Hein.
Oh, c'est Nino. Antoine, tu m'as compté bon. Non, je t'ai compté bon, Florence. Ah ouais, j'ai pas vu le vrai passer en vert. Voilà, pardon. Ok. Nino. C'est Nino. Gims, Patrick, c'est non. Jules, c'est non. Jules, c'est non. Jules, c'est non. Jules, non. Jules, non. David Guetta, c'est non. Jules, non. Ah, c'était... C'était la Trump Tower. Ah ouais. Genre, j'y pensais. Ah, c'est la Trump Tower, putain, bravo. Ouais. Hein. Et je savais pas que ça faisait un truc comme ça, là, sur le côté, là, dans l'angle. Là. Mais il y en a plus de Trump Tower, on est d'accord, non ? Dans cette série, wesh. Hop là, la Trump Tower. Wall Street, c'est non. La Trump Tower, bravo Jack Darius. Oh, c'est beau. Trump Tower. Oh oui, incroyable. Cette building, c'est non. Liberty Tower, c'est non. Un tour à New York. Une tour à New York, c'est une bonne réponse, mais c'est hélas imprécis. La Trump Tower, bien joué Florence. Bravo Florence. Oh, Neville, oh là 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 là, qu'il est chaud. Actuellement, il y a des trucs qui s'envolent de la Trump Tower et qui tombent au sol, et comme c'est très haut, c'est très dangereux. Oh mon dieu, mais qu'est-ce oh là là, Mbappé, ah, hélas, on pourrait croire un joueur, oui, un joueur. Oui, tout à fait, un Ribéry, oh bon, mais quel enculé celui-là. Pardon, excusez-moi. Lampard, c'est non, c'est non. Totti, j'ai tenté. Hein, Francesco Totti. Ribéry, c'est non, Minto, c'est oui, hélas, c'est vrai, voilà. Ça, Madonna. Oui. C'est trop. C'est Madonna, tout à fait. Oh mais c'est pareil. Shakira, eh non, hélas non. Britney Spears. Même chose, il a dit hein. Même chose. Oh là là. Il y a de tout là. Pamela Anderson, on dirait, c'est non. Shakira, c'est non. Madonna, c'est oui. Colis. C'est encore Cali ici. Madonna. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout à fait. Bravo. La peau de l'ours. Bravo. La peau de l'ours. Oui, oui. On l'a tous. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. La course au fromage, il s'agit. Fromage, ouais. Ah oui, c'est oh, la course. Il y a le petit fromage devant, là. Je jure que j'ai le point. Bah écoute, bravo. En fait, vous voyez, là, il lance un fromage et les gens doivent courir derrière lui pour le rattraper. Ah oui, j'ai pas vu au sol. Oui, mais oui. Putain. Oui, c'est vraiment ça. C'est le rolling cheese. Course derrière un camembert. Et bah, en vrai, pour moi, c'est. Alors, c'est pas un camembert. Mais j'ai. Mais ouais, mais. Un fromage. Tu m'as pas accepté, il t'a dit Vatican. Oh, bon, ok. Et eh bah, je la compte pas. D'accord, je la compte pas. Je la compte pas. Trop tard. Trop tard, je la compte pas. Je la compte pas. Crotte, c'est pas bon. Mais c'est pour. Berlu, c'est incroyable. Mais Berlu, t'es. Berlu, pour moi, c'est bon. Hein. Pour moi, c'est bon. Mais ça, c'est parce que c'est un chaumonné. Ils font lancer ça. C'est le rondin. Un chaumonné. La descente de colline. Non. La course. Tout simplement. Tout simplement, la course. La course. Tout simplement. Il y a le la course. La roulade extrême. Extrême. Pour moi, il y a des gens qui se balancent. Saute mouton. Oui. Je me disais, ils se sont tous cassés la gueule. Donc c'est vrai, c'est vrai. C'est plus saute mouton maintenant. C'est génial à l'époque. Oh, le rat... oh t'es trop chaud, étoile. Ouais. Le rat Luciano, j'avais oublié. En fait, ah, mais oui. C'est écrit, c'est marqué en plus. Oh putain, c'est écrit. Je sais même pas qui c'est. Joe. C'est tout simplement Joe. Et je me suis dit, c'est le piège c'est un trop gros. C'est incroyable. En mais oui, je connais. Mais oui, oui. Joe. Kamak, c'est vrai. Bah ouais. C'est vrai, Kamak, hein, bien sûr. Hein. Il lui ressemble. Hein. Big Flo, c'est non. Le rat Luciano, c'est écrit sur son t-shirt. Bah oui, Tone, tout à fait, t'as raison. Exactement. Ariel, bien sûr. C'est Ariel. J'ai trompé à la dernière. Oh non, dur. Shell Energy. Ah, dommage. Dommage. Ariel. Sims. Ah non, hélas. Ah, voilà. Ariel. C'était vert. Ariel, la lessive pour les vêtements propres. Tout à fait, Tone. Absolument. Ariel. Oh, oh putain, je l'avais pas. Oh non. Je pensais que c'était Aston Martin. Je suis dégoûté. Ah, mais oui. Putain, je l'ai pas. Sublime. Oh là 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 là. Oh, Opel Astra. Opel Astra, Bentley. Bentley, c'est non. C'est incroyable. On est, là, personne va me toucher. Bon. Mais oui, on est même. Je suis pas premier. Personne va me toucher. Je suis en Italie, on rajoute le point. Alors, tu copies. Non, tu copies ma copie. Je viens sur ton stream. Je pense que je suis 3. Je pense pas. Je suis derrière. Je suis derrière. Ok. Bon, moi, je vais être avant-dernier, je pense. Dernier ou avant-dernier. Je pense qu'il y a limite moins que t'es 4 points. Non, en fait, genre, le point sur Ra Luciano et sur l'autre gars à 3 points, là, ça va te. Non, mais en fait, t'as eu Boris Johnson, t'as eu Haïti, t'as eu genre vraiment trop de trucs. T'as eu. J'ai pas eu Italie-Vatican, donc ça va. Ok, bon, vas-y, je donne le point pour la course à Camembert, c'était qui l'avait mis? Ouais, c'est Stratuc. Ok, bon, vas-y. T'avais pas donné? Non, je l'avais pas donné parce que Rayou, il était en mode. Je rigolais, Un point pour Margot et tire sur mon doigt. Ah oui. Ah oui, je suis d'accord. Non. Vous voulez vraiment qu'on donne le point à Margot? Oui. Allez, on lui donne le point. Allez, hop là.
Voilà. Oui, oui. Allez, allez, on lui donne le point. Merci la team, merci. Et c'est parti, messieurs, dames. Le classement est le suivant. Allez. Oh, Berlu avec 10 points. Oh non. Jacques Darius, 13 points. Bichard, 13 points, ex-aequo. Stratouquet, 13 points, ex-aequo. Tone, 18 points. Margot, 20 points. Flonflon, 22 points. Florence, 28 points. C'est le même. C'est chaud. Vive le Vatican. C'était la meilleure game de ma vie. Je me convertis ce soir, messieurs, dames. En l'honneur de cette réponse, let's go. Bravo. À la Vatican bravo, Diff. Bravo, 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 bravo. Bravo à toutes et à tous, vous avez géré. Florence, Florence, solide top 3 Florence hein, ce soir. Bah ouais, mais j'aurais bien aspiré à plus. Vous avez géré, qui nous dit alors qu'il est premier. En plus, j'ai pas fait le top 3 sur Fall Guys, c'est dommage ça. Ah, dommage, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Zerator, c'était pas invité dans la danse. J'avoue. Mais oui, c'est fou Zerator. C'est fou Zerator quand on y pense quand même. C'est pas Zerator. C'est fou Zerator. C'est fou Zerator. C'est fou. C'était incroyable. C'est sympa, c'est sympa le cas culture. Génial, c'est pas mal. Un très bon moment, merci à tous. C'est un plaisir, messieurs, dames. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci. Merci.